Cette maisonnette va produire de l'énergie. La couverture est retirée et c'est sur un pare-pluie chevronné que nous posons les premières tuiles. Juste au-dessus, on visse un litho, une planchette en biais et trois planches longues de 3,40 m. Sur la planche la plus basse, on pose une bavette qui couvre les tuiles. L'étanchéité est complétée en vissant des capots en acier posés sur la planchette en biais. L'étape suivante consiste à fixer trois rails en alu. Après avoir préparé un onduleur, les panneaux photovoltaïques sont posés. Ils vont produire un courant continu, renvoyé soit vers des batteries, soit transformé par l'onduleur en courant alternatif pour être consommé en direct. Si votre cabanon est raccordé au réseau public, vous pourrez même revendre votre surproduction. Une fois les panneaux câblés et vissés, l'habillage se termine avec des capots et cette grille anti-rongeurs. Ici, désormais, c'est le soleil qui recharge les vélos sans polluer la planète.